Bon. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Ici Vincent au studio pour du Dofus. Toujours les mêmes, hein. Loulou, Jacques et Imagiro. Bonjour. Donc vous voyez qu'Imagiro se lève. Ça fait Se plaisir. On continue réveille. sur sa rage, tout simplement. Voilà. Passe. On va où? Est-ce que, vu que au stream précédent on a lancé les quêtes un peu à la va-vite, est-ce que vous voulez que je vous résume un peu l'intrigue de Sarache? Ah. Oui, avec une précision concernant ce qu'on a fait en fin de stream et ce qu'on était censé faire en off. Non. Si tu veux. Mais, non, mais c'est pour expliquer. Bon, Voilà, en on gros, va passer pour des cons, en ça va, plus. ça suffit. Pour répondre à, juste pour Voilà. répondre à Guillaume, la quête nous demandait de faire un combat et on pensait qu'on devait faire chacun le combat et que ça se validait pas pour tout le monde en le faisant qu'une seule fois. Mais on a. C'est pas de notre En faute, fait, c'est le jeu qui s'est pas on s'est rendu compte actualisé. qu'on pouvait le faire une fois pour tout le monde et voilà, ça a la validité Voilà. pour tout le monde. Donc on s'est connecté à 1h du matin pour nous. C'est C'est vrai. pas vrai. On a Non, c'est beaucoup pas vrai, on a rigolé. fait l'almanach. On a beaucoup rigolé. On a Amen. commencé deux, trois quêtes qui servent à rien dans l'histoire. Du côté de la montagne des Koalak. Voilà. C'est ça. Et maintenant, l'histoire. Alors, en fait, sur Sarrache, il y a une corporation parafiole qui a été créée pour récolter de l'épice, donc l'épice, le piment Sarrache, et pour l'acheminer vers le continent. Et quand on est arrivé sur l'île, on a parlé à un assistant d'Otomai. Et en fait, Otomai veut surveiller les activités de la corporation. Car il a soupçonné d'être à l'origine d'expériences pas très nettes. Et il souhaite savoir pourquoi la corporation s'intéresse à cette épice. Donc l'assistant d'Otomai nous propose d'infiltrer la corporation en se faisant passer pour un ouvrier, d'aider la corporation à récolter de l'épice. Et à côté de ça, on essaye d'enquêter pour Otomai. Des questions? Okay. Des angoisses? Je sais pas, je demanderai au kiné tout à l'heure. S'il a des Ah. questions et des angoisses, il va te Ouais. regarder bizarre. Pardon, qu'il te masse le dos. Excusez-moi, vous avez des questions, des angoisses? Pardon. Déjà qu'il me raconte bien sa vie. Oula. Bon, bref. Ouais, pire qu'un coiffeur, quoi. Ah. Que faisons-nous? Où allons-nous? Donc on va continuer la quête l'épicerie. Donc il faut retourner voir Bachar Doka, C'est ça. qui est deux fois en bas. N'a Suffisant aucun GPS. rapport avec Bachar al-Assad, bien sûr. Non. Oui. Est-ce que vous voulez une fun fact vite fait ou pas? Sur Bachar al-Assad? Non. Ah, bah non alors. Bon, bah au revoir. Non mais. Vas-y. Apparemment, j'ai bien dit apparemment, Cyril Hanouna a acheté la marque Hanouna 2022. Voilà. Non mais c'est pour troll. Bon, je sais pas. Si si. Ouais, je sais pas, hein. Bah si si, c'est bien sûr que c'est pour troll, il va pas se présenter. Hein. Ah bon? Bah bien sûr que Alors non. dans ce cas-là, pourquoi Bigard a fait pareil? Bigard, il peut. Non, alors Bigard, c'est plus. Enfin, il s'est pas vraiment présenté. Il a dit, si jamais il voit que les politiques actuelles ne changent pas et qu'il y a personne de la vie civile qui ressort, dans ce cas, il pourrait se présenter. Après, pour se présenter, il faut avoir 500 signatures d'élus. Bigard peut les avoir, Hanouna les aura jamais. Tout le monde. Non, non, ils n'auront pas. Bonjour Cléocide sur le chat qui nous dit Eyop. Oui, parce que Écoute, c'est Eyop à toi bonjour. aussi. C'est bonjour. C'est Yop. Sinon, vous voulez une autre bonne nouvelle? Oui. Ouais, oui, vas-y, plus Quatre. Anna, parce que là. Saison 4 de l'attaque des Titans a été annoncée via un trailer qui est sorti il y a 28 minutes. Ah bon? Est-ce que j'ai vu la saison 3? J'ai pas vu la 3 non plus, Si la faudrait que 3 ne t'a pas marqué, Mais c'est que si, tu l'as pas mais. vu. Mais pourtant, enfin, je sais plus. En fait, j'hésite. Bon, c'est pas grave. Au pire, je les re regarderai. Ils sont sur Netflix.
sens passer, mais... Même la saison 3 Peut-être pas la saison 3, cela dit. Où sont passés... Bref. On va où ? Eh bien, il faut interroger les membres de la corporation Parafiole. Juste à gauche. On va à gauche. C'est vrai que c'est pas indiqué. Il y a beaucoup de quêtes sur Sarach où c'est pas indiqué, tout simplement parce que ben il te faut chercher quoi. Parle à Barbarakis. Barbarakis. Tu discutes des expériences de la corporation Parafiole. Au pire, Loulou, tu peux continuer à faire des petits résumés d'histoire. Ça peut être cool. Vu qu'on on l'a fait 4 fois cette histoire. Enfin, toi, tu l'as fait 4 fois. Voire 5. Et là, c'est ta 6ème. Suis une autre quête avec ça ou pas? Ou on fait que les papiers pour l'instant? Pour l'instant, on va se concentrer sur l'épicerie. En fait, il y a... Y a deux trames principales, en fait. Enfin, il y a une trame principale avec la corporation Parafiole. Et après, il y a des quêtes annexes qui sont des petites histoires à côté, en fait. Ok. Vous parlez à Charlot Darwin, s'il vous plaît. C'est fait. Ok. Et le suivant, c'est qui? Je sais plus. Au PNJ que t'aimes bien, à la banque. Ah, c'est pisse des coudes. La banque, elle est là. Elle est à côté du sabloon, la banque. Ok. Et je salue Beoxys qui est dans le chat, mais qui n'a pas dit bonjour, qui vient de me battre en duel juste avant le stream. Le salaud. Mais toi, en même temps, du coup, ne s'abonnera pas. Toi, t'es fou, hein, sans déconner. Oh, c'est rigolo. Mais oui, c'est marrant. Bon alors, Spizdikoun. Et au passage, je récupère l'argent dans la banque. Oh, non, moi j'ai plus rien. J'ai tout récupéré. Est-ce que j'ai de l'argent? Oui, j'ai 189 000. Allez là, j'ai 1 200 000. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. C'est déjà beaucoup pour ce que je fais sur ce jeu. C'est tout. C'est-à-dire pas grand-chose. Jake, t'es allé voir... Ouais, il faut que j'aille voir Idarfen Magica. Mais il est dans le sablon. Au sablon. Tu sais, à l'escalier caché, chelou. L'escalier caché, c'est un peu pour toi. Ouais, voilà. Allez. Oh là là, il y a plein de points d'interrogation ici. Oh mon dieu. Il y a Jean-Kevin. Oui, il y a Jean-Kevin. Il a perdu un animal. Moi, ce qui me fait rire, c'est Mario le Crat, sans déconner. Ouais, j'avoue. Mario le Crat, je trouve ça pas mal. Banto, Monoli. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? De quoi? Je réponds à des questions, mais si tu bats aux cartes, la mise est de 1000 kamas. Vas-y. Non, pas maintenant. Enfin, c'est pas maintenant que je vais vous le faire, si. Non, c'est pas maintenant. Bah, ça m'a fait une quête mise à jour sans que je joue aux cartes. Ben, je suis déçu. Je sais même plus qui. Bon, bref. C'est pour les quêtes? Oui. Ouais, il y aura une quête comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va quasiment toutes les faire, les, les quêtes de Sarah. C'est ouais, con parce que je crois que j'en avais du manganèse. De l'eau aussi, moi j'en ai plein. Mais bon. Merci. Moi aussi j'ai de l'eau. De l'eau? De l'eau. Jack, arrête de bouger. Il se range, attends. Bip, bip. Tous les jours. Enfin, il est... Pourquoi tu me donnes ça? Parce qu'on en a besoin pour certaines quêtes. T'inquiète pas, si tu donnes des choses. Non mais j'avais vu que la potion, je comprenais pas en fait, c'est pour ça. T'inquiète pas, il va te filer plus. Chercher Banto Mouloji, c'est ça? Oui. Il est juste en dessous du donjon en 19-60. Très bien. Voyager jusqu'à cette position. Même. Ah putain. Oh, c'est parti. Allez, c'est parti. Et le soldat français, il prend la tête de la course. Ça y est, il le double par la droite. Attention à l'amende. Il met son nitro, il met le carburant. Ah, le petit chargement de la map. Et il arrive bientôt, il est à mi-chemin. Mais pourquoi? Eh oui, tout à fait, Denis, il est sur la ligne d'arrivée, ça y est, il va tout faire. Qui veut faire la caravane? Moi, je veux bien, mais que si on en fait de la radio. Ah. Hashtag Radio Caravane, abonnez-vous. Allez, bientôt, biologie, c'est parti. Putain, tu me fatigues.
Est... Voilà, maintenant il est parti dire maman. Bouh, ouais, il me colle au cul. Et oui. Ouais, il faut le ramener à. Où ça À Idarfen Magica. Voilà. Donc en retournant sa blonde. Comment ça, on doit faire plusieurs allers-retours pour rien? Oui. Bienvenue dans Dofus. Bienvenue dans les MMO. Les MMO? Oui, les MMO RPG. Les MMO! Les MMO. Qu'est-ce que j'en ai marre d'être débile. Ah là là. Bon, une chose est sûre, Droopix, il est partout sur la map en bas. Déjà, donc il n'y a pas besoin de chercher. Mais en fait. Oui, non, mais la case où il est pas, c'est pas en bas, quoi. Mais... Ah, t'inquiète pas, t'es pas prêt de la trouver, ouais. La case où il est pas. Ouais. Quand on sera niveau 200, peut-être. Bah, hier, en faisant un peu d'exploration de l'île, jusqu'à l'espèce d'arche là-haut, là, ouais. Quand j'ai vu tout à Grèce, hein, Imagiro, j'ai fait vite demi-tour, en fait. Ouais. Ah, mais non, mais. La fin de Sarah, c'est costaud. Ça arrache, comme on dit. Ça pique un peu, ouais. Ça arrache. Ça pique pas, ça arrache. C'était quoi, ça? C'était des carambars? Non. Oh, je sais pas. Ça pique pas, ça arrache. Ah, ça? Oui, ouais. Si, c'était des carambars qui piquent bizarre, ah, là. Ah, c'est ça, ouais. Je crois qu'ils sont même plus en vente. Mais c'est pas les carambars atomiques, non? Ah, oui, voilà. Ouais. Ça existe encore, hein, il me semble. Mm. Ah bon? Ah oui, oui. Oui, ça existe encore, ce genre de carambars. Mais pas là. Il faut que, Guillaume, que t'ailles voir Eolsuc. Je cherche. Au bateau, en bas. Ah, je me disais... Enfin, est-ce que t'es allé voir Idarfen Magica avant? Oui, oui, c'est bon. Ok, je dois aller voir Eolsuc. Tu vas voir Eolsuc. Après, tu retournes voir Idarfen Magica. Pour le roi scorpion. Je l'aime bien, le premier donjon, moi, de Sarrache. Draken, les pimousses, les soucoupes avec de la poudre à cirer. Ah oui, aussi, ouais. Ah non, ça c'est vieux, ça. C'est vieux comme bonbon. Ah oui, mais c'est peut-être ça, la pub. Ah, c'était les pimousses de Ça pique pas, ça arrache. Et non, les soucoupes avec la poudre acidulée, je vois ce que c'est. C'est des espèces de c'était trop cool. Mais en fait, la texture de la capsule, on dirait de la... De l'hostie. Ouais, de l'hostie, mais... Genre, putain, tu dis ça, j'en ai mangé qu'un hostie dans ma vie, je crois. Ouais, pareil. Mais... Ouais, on dirait un truc comme ça, ouais, un peu d'hostie. Ouais, une sorte de... C'est pas du pain, c'est... Ouais, c'est chelou à dire. C'est de ça, le slogan. Oui, merci. Ça manquait de sauce barbecue. La miette. Oh. Bah quoi? Un hostie sauce barbecue, j'imagine le curé tenait pour assaisonner. Non mais, tu te donnes l'hostie, toi tu sors la sauce barbecue du sac, il doit te regarder. Ah putain. J'espère que tout le monde est retourné voir Magica avant d'accepter. Accepter quoi? Ah putain, j'en étais sûr. La téléportation du donjon. Est-ce que là, tu vois, à côté de moi, il y a Cormac Gargan? Oui, c'est bon. Oui, est-ce qu'il a un point d'interrogation? Oui, 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 c'est bon. Bien joué. Donc on descend en... Donne les documents quand même. Moins 59 pour aller voir... Donne, chose. Ça dit donne les documents. Oui. Oui. 18,59, moins 59. 18, moins 59, ouais. Là où il y a le petit point, quoi. Oui, mais bon, ça dépend, ouais, parce que parfois, vous mettez pas vos quêtes comme il faut. Voilà. Alors j'ai la coiffe qui m'a... Je suppose que c'est une anecdote, une blague. Elle me fait, c'est à ce moment-là que le méchant arrive et lui dit « Hé, toi le bouffon, c'est pas moi le méchant, c'est toi !» J'étais mort de rire, bien entendu, qu'elle dit. Voilà. Il va falloir que je la nourrisse, d'ailleurs. Et on remonte voir au donjon. À mon donjon. Mais il est fou, lui. Toc. Afficher tout le monde du groupe. Et on revient en 18-59. T'as pas parlé. Zuber, pierre vivante. J'ai pas compris ce mot de Morel. Il pourrait prévoir du PS ou du Chronopost, parce que c'est chiant, en fait.
De quoi? Enfin, quoique, on est plus fiable qu'eux, là. Faut montrer à Zuber la flûte de mastodonte. Oui, sauf qu'il nous faut un sculpteur niveau 80. Oh merde. Bah, je suis pas sculpteur 80, désolé. Moi non plus. Moi non. Attends, j'ai pas encore les compétences vraiment... pour faire un robin. C'est une. Ça, on peut pas l'acheter, celle-là. Non. Ah oui, tu l'avais fait. Oh, oh merde, faut trouver un sculpteur. Moi, je suis sculpteur 41. Sur ce jeu-là? Oui. T'es sérieux? Oui. Bah putain. T'es super énervé. Bah, j'étais monté niveau 40 pour fabriquer la baguette Rikiki, en fait. Ah, je m'en souviens maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire d'autres quêtes, hein. Est-ce qu'on alors... ferait pas... On va tester les pistes sur tous les sujets. On peut faire ça. Ça va faire des combats. En plus, elles sont à côté de notre position, on peut faire ça. Hein. C'est quelle quête? Faune pimentée. Ok. On peut faire ça. Allez, bon, on monte. De deux cases. Hop. D'une. De deux. On redescendra pour aller chercher les autres. Ne t'inquiète pas. Mais je sais pas, moi, le point, il était sur Saint-Las. Il y en a un autre, là. Il y a plein de points. Ah, mais moi, ça pas il est où? Mais qu'est-ce que tu fais? La quête. Mais la putain, queue. On a dit qu'on montait. Ah, bah... Au moins, il était en haut. Descends, Guillaume. Voilà. Mais il y en a, y en a si... deux. Il y en a un là, il y en a un au-dessus. Je sais pas si ça va le valider pour tout le monde, par contre. Hein. De souvenirs... Je crois ah non. Comme les trois combats que moi je me suis tapé. Non, je pense que si quand même. Au pire. Challenge. Non, je crois que les monstres de quête on peut pas. Oh, on peut pas faire de. Enfin, ça sert à rien de faire de dessus. Mmh. Vas-y, cool. Mais qu'est-ce que t'as encore? Et bien comme j'ai EP et que mon masque du psychopathe il a changé, bah il a disparu. Ouais. Demande à la mairie Toulouse de t'en fournir. C'est bon. Depuis quand tu fais du 300, toi? J'ai fait 300. Ah, il a moins 15, ok. T'as fait un coup critique, t'as presque fait du 400. Hein. Waouh. Ouais, c'est plutôt balèze. Oh, oh Mikasa. Oh non, Mikasa et Tsukasa. Elle est devenue tellement badass. Mikasa et Tsukasa. Non, Mikasa et Tsukasa. Merde, focus, bon, c'est pas grave. On aurait pu le faire. Je suis nul. Oui, je suis nul. C'est la saison finale. Mais c'est pas fini le bouquin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, qu'ils font n'importe quoi, encore une fois. Comme pour Game of Thrones. Comme pour Balak Butler. J'ai regardé la Balak saison 2. Butler. Ouais, j'ai eu du mal à le dire. J'ai regardé la saison 2 et j'ai dit, mais attends, mais ça y est pas du tout ça dans les bouquins. Ah bah oui, c'est complètement différent. Mmh. Et apparemment, la saison 3 et la saison 4 sur Netflix, c'est de la merde. C'est des espèces de spin-off OAV pourris. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté. Y en a un sur Alice au Pays des Merveilles, c'était rigolo une fois, mais quand t'as vu que t'as le retour, j'ai dit allez, non, c'est bon. Genre La Vengeance de Marie-Joël 2, c'est bon. Suffit. Marie-Noël. Par contre, j'ai vu un film Black Butler. Franchement, il était bien stylé, hein, avec Undertaker, là. Ouais, Undertaker, ça fait partie de mes persos préférés. Eh ben... En vrai, si t'as pas vu le... Je sais plus comment il s'appelle ce film là, mais. Mais il y a tout un arc avec Undertaker. Quel dommage. Flamiche. Poum 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 poum. Bon, cette fois-ci on monte. Ça l'a validé pour tout le monde? Ah non, j'ai le sujet là. Ah attends. Et oui. Hein. Non. Saupoudrer l'animal. Ah ouais, vous défendre, putain. Oui, faut le faire pour tout le monde. Oh, c'est relou.
Non, là. J'aime beaucoup leur animation. Bah, je crois que ça arrache, ça fait partie des dernières modifications du jeu. Non. Je sais plus. Non, ça arrache, ça a plus d'un an. Ça arrache, ça date oui. De... Je vais te dire ça. Un an ou deux, je sais plus. À deux, hein, pour moi. 2016. Hey, d'accord. Donc 4 ans. D'accord. Ça se voit que j'ai vraiment pas joué au jeu. Quoi. Enfin, ça fait longtemps. Bah en même temps que la sortie des Ouginac, non? Ouais, mais je pensais pas que les Ouginac, ça faisait si tôt, quoi. C'est pas grave. Mais c'était il y a combien de temps qu'on jouait à Wakfu? Je sais pas. Hier. Hier. Je pense que je vais me recréer un perso. Oh non. Juste pour retrouver les bases. Pour pouvoir reprendre ton zombie. Ouais. Putain, mais je fais vraiment pas de dégâts là-dessus. Hein. Ah, au fait, j'ai pas eu besoin dans... Bon, non, bah non, je... Non, pas tard. Je m'excuse d'avance. On s'excuse pas soi-même. Bim. Oh. Ce qui t'a envoyé. Par contre, je te félicite. Je te félicite. Merci. Parce que tu as fait roue de la fortune avant. Ouais, mais j'ai pensé à Victoria Seyfeld et du coup j'ai pensé roue de la fortune. Et en plus, tu t'es pas fait ta clé. Oui, mais ça, ouais. C'est du bol, j'ai envie de dire, je pense. Mais ouais, il va falloir, vu que t'as 9 PA pendant un sacré moment, bon, j'y pense, pendant ouais. 5-6 niveaux, donc peut-être oublie ce que je veux dire. Il faut que t'apprennes à, entre guillemets évidemment, à savoir compter tes PA. Compter. Oui. Mais où tu pars? On a besoin de le faire encore deux fois. Hein. Bah oui, il faut le faire pour tout le monde, c'est pénible. Et on change de quête hein, parce que il y en a 3 autres comme ça. Hein. Ouais, donc en fait on a 12 combats à faire. Non, bah attends, il y a Imagiro en combat, je le laisse pas tout seul. Déjà je lui ai tapé dessus. Mais on est tous en combat. Ah, il écoute pas. Hop. Oh, je ressorte le casier. Colin m'a envoyé une vidéo de du premier générique de Jojo au cas où. Bah c'est rigolo. Au cas où quoi? Ta gueule. Voilà. Cette vanne elle m'énerve, je suis désolé, c'est sorti tout seul mais. Ah mais j'ai l'interface dessus là. Comment on fait pour la bouger? Moi. Ou tu vas prendre. Non, il faut que tu bouges d'un PM. Non, on fait pas ça, en plus il peut pas. Je sais. Ouais. Mais me pousse pas! Ah, mais c'est insupportable ça. Non, mais c'est dingue. C'est son portrait craché. Ah, merci! Pousse-moi! Merci! Poussez-moi, excusez-vous. Brrr. T'as raison, elle fait chier ce tagline. Je peux la mettre en haut. Hein. J'aime pas la mettre en haut. J'ai souvent essayé, je déteste la mettre en haut. C'est vrai. Parce que j'ai tellement été habitué jeune ouais, à l'avoir en bas. Ah, d'ailleurs, jeune. Il fallait que je te demande, Louis, il faudrait que tu montres à Guillaume les images du premier Dofus. Mais genre, quand je dis premier, c'est genre premier, genre la bêta, quoi. Genre, il y a moultes années. Parce que j'ai dit, moi, j'ai connu ça, et j'ai essayé de chercher sur Internet des screenshots ou juste des photos de des personnages, et j'ai pas trouvé.
Bon, attends, quitte pas, je vais chercher le bouquin. Ouais, voilà, c'est ça. Va chercher le Dofus Mag. Je joue et après je... Ok. Ah, mais là, il m'a ruiné mon truc. Pardon ? Oui, il, est ah, il m'a ruiné mon truc. Il m'a pourri mon truc. Excusez-moi, mais vous avez pourri le couvre-temps. Excusez. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui a chié le châle encore là? Le premier qui a perdu de la vie. Je sais même pas si c'est moi. Hop. Oh là là. J'aime. Non, c'est moi. C'est toi qui a perdu la vie en premier? Ouais. D'accord. You suck. Allez, tue-le. Oui. Pom. On fait le dernier pour moi. Oui. Allez, c'est bon. Go. Je me défends de l'ouvre pouce. Allez, on fait celui-là et on va changer de caisse, ouais. Donc on annonce, on risque de la. Vous êtes sûr qu'il y a un combat à chaque fois? Oui. Oui. Oh. Genre là, sur certains, c'est pas un peut-être, c'est oui. Putain, mais plus j'y pense et plus ça m'énerve. Mmh. Ce de malaise spirituel qui est nul à chier maintenant. Mmh. Mais genre, je comprends pas l'utilité. De quoi tu parles? Mon sort qui permet de ressusciter un allié, mais t'as 2 PA, t'as pas de PM, t'as rien. On dirait mon masque. Je comprends pas. Ça sert à quoi? Là, je suis d'accord, je te rejoins. La spirituelle, c'était mieux avant. Mais genre, la nullité du truc, quoi. Même une vidéo de Lego. Ah. -25%. Si ça permet de se détacler pour pouvoir retaper. Alors que j'aurais pu tout simplement faire fougue. Ça coûte un PA fougue. 2. Ah. Mais t'as, il t'en reste un après. Ouais. Je connais pas bien le global, hein. Le coût des PA, tout ça. Bah en fait, tout me coûte 3 quasiment. C'est pour ça que j'aime bien être à 9 PA. Sauf les masques qui me coûtent 1. Et quand je suis en masque de classe, la plupart m'en coûtent 4. D'accord. Bon. Attends, mais il me manque un sort là aussi. Là. Ah, t'as du mal avec ta barre de sort. Hein. Moi, elle est bien rangée. Bon, on change de quête. Oui. Alors, faune pimentée, on enlève. On va faire l'allégorie de la taverne. Oh, c'est pénible, ça. C'est la première quête du succès. Ouais, ben va falloir bien écouter. Genre, vraiment. Vous en êtes où? Alors... Moi, je dois suivre la trace, donc il faut que je retourne voir le Yop. Allez voir Ave Centura. Oui. Il te demande d'aller le voir. Ouf. Je peux pas. Remonter la piste. Merde, je sais plus où il est. Ah, mais Centura, je crois qu'il est à. Tout d'abord, il est à gauche de la taverne. Ouais, non, au début, il est à gauche de la taverne et après, il est en 17-58. Eh ben, je vais regarder. Oh, une mine. Une mine.
pierre de bauxite. Argent, putain. Il te pointe vers où l'allégorie de la taverne, Jacques? Attends, déjà je vais arriver à gauche de la taverne. Est-ce qu'il est là ou tu lui as déjà parlé? Il n'y a personne. Bon, ben viens en 17-58. 17. T'es où, Thomas? En 15-60. Pourquoi? Je me balade. Non. Tu ne peux pas. Je suis au-dessus du zap. Ok. Parce qu'en fait, c'est une quête qui demande d'aller vite. Genre, vraiment, c'est pas une vanne. 15-58, je suis. Eh ben, tu viens en 17-58. Hein? Ensuite, tu parles à Carl Lewis. Non, je déconne. Bon, on attend tout le monde pour pouvoir bien le faire. J'ai mis les photos sur... Ouais, j'ai vu, mais je regarderai plus tard. De l'eau. Alors, on va falloir parler à Aves, Centura. Et en fait, faut suivre une piste, mais faut aller vite. Genre, vraiment. Donc, il va falloir bien suivre ce que nous dit Louis. Voilà. Et attendez avant de mettre commencer la traque de l'ombre blanche, un truc du genre. Ok. D'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Vous lancez la traque. On va tous à gauche et en haut. Vous avez perdu un tas de feuilles. Vous avez obtenu un tas de feuilles. Vous cliquez sur la petite plante là. Ensuite, on va à droite. On monte. Pourquoi on doit aller vite en fait? Parce que ça, la trace s'efface si tu vas à côté. À gauche. On clique sur la plante en plein milieu. On va à gauche et il faut rentrer dans la grotte. Voilà, faut cliquer dans l'ombre en fait. La quête après. Ok, c'est bon. Et on peut reparler à AV. Voilà. Et on clique sur le gros os. Gros os. Et on trouve Bob Moran. L'aventurier. Attends, l'ombre blanche. Voilà. On peut reparler à F. Centura. Il faut qu'on aille chercher du poisson. Et en sortant, vous pouvez ramasser la quête. Ramasser la quête, hein? Oui. Sur la map, juste à droite, tout à l'heure, on pouvait cliquer sur un os. Oui. Oui, c'est pour une autre quête, j'imagine. Qu'on a lancé à la va-vite. Ok. On en est à... Chercher le poisson, c'est ça? Oui. Chercher le poisson. Venir. Faut chercher, hein. Tout venir en bas. Au bateau. 14-55. Attends, c'est quoi la suite? Crier son nom? Je sais plus. Oui, son nom. Oui. Où est son poisson? Trouver son nom. Trouver son nom. Ok. On parle au pêcheur. Non, vous cliquez sur la quête qui est derrière lui. Et je t'ai volé un poisson et tu dis rien? Non. Parce que c'est un poisson poisseux, donc il s'en fout, je pense. Et on peut remonter à la caverne en 15-60.
Aïe aïe aïe. Faudra défendre la case de pommes aussi un jour. Ça va être chiant. Mmh. Là, tu cliques sur l'os et tu vois l'ombre blanche. Non, d'abord faut rendre le poisson, Guillaume. Ah, Eve Centurin. Lol. Ok. Est-ce que tout le monde voit l'ombre blanche? Oui. Eh bien, courage. Bon, il a que 1000 PV. Ah, on peut le rejoindre. Est-ce que... On peut le faire 4 fois. Je sais pas. C'est pour ça que je l'ai lancé, on sait jamais. Techniquement, ils disent 20k une ombre blanche, ils disent pas à combien. 20k. Mais du coup, il l'a lancé tout seul? Oui, oui. Évidemment. Bah oui, parce qu'il est trop fort, donc il veut le faire. Non, en vrai, ça va, oui. Ça fait rater le challenge. S'en fout. C'est un truc de quête, on s'en fiche. Ça va Quoi? Les PV? Ben, je crois qu'à sa rage, ils sont faibles contre... Ah non, c'est juste qu'il est fort. Très bien. Quoi? J'ai raté? Oh. Bili bili bili. Okay. Ah. Poum poum poum. T'as actualisé la quête. Ça a fonctionné. On peut reparler à Eve Ventura. Et on peut parler à Bob Maron. À Bob Maron. Bref, à chose. Et on peut retourner voir OVH à la taverne. Au Sabloon, pardon. OVH. Ouais, c'est rigolo. Ça sent le vécu. Ouais. J'étais hébergé chez eux. Hein. J'avais un nom de domaine chez eux. Enfin, j'ai un nom de domaine chez eux. Bah, nous on est hébergés et on a les noms du domaine chez eux. Faudrait que je les appelle d'ailleurs, faut que je renégocie les contrats. Pas besoin de monter, hein. Je sais pas où tu vas toi, mais. Non, je veux voir le mec sur la table. Ah oh, 93. Waouh. J'ai demandé si elle arrive à tout gérer toute seule. Allez voir Eolsuc. C'est quoi le jeu de mots avec Eolsuc? Je sais pas. Suc Eol. Suc Léo. Je sais pas. C'est pas ça. Et on voit Fortinineuse. Coordonnées. Quoi? Coordonnées. Bah, juste au-dessus. T'as pas un point bleu qui se... T'as la minimap, Jay? Oui, oui, là. Oui, oui. Il doit avoir toutes les quêtes qu'il faut pas. Genre, je suis sûr qu'il a les quêtes de la montagne des Koalak. Une quête des Wabbits. Non, ça... Ah, quête... voilà, je l'ai pas fait. Quête terminée de... Incarnable. Faut que j'aille faire mon jeu de carte à l'île des Wabbits, c'est vrai. Très nul, mais j'ai terminé. Face, je sais pas, Thomas il l'a fait. Oui, je crois qu'il y a que Thomas qui l'a fait. Bah, vous voulez qu'on le fasse maintenant ou pas? J'ai envie de faire. On passe à l'île, on fait ça et on... Non, franchement, tu le fais à la fin du stream, ça te prend 30 secondes. Bah, faites-moi y penser. Ouais, pense-le. Jake, t'as cliqué sur le tas de sable à côté de moi? Ah, c'est ce que je cherchais, je comprenais pas où est-ce qu'il fallait aller. Y. Il faut aller au nord, okay. Distance moyenne. On va en 15-60. Elles sont chiantes, les mouettes, hein. Oui. À taper, là. Clac, clac, clac. Fermez là, quoi. Il y a un autre tas de sable. Faut aller à l'ouest.
deux maps à gauche. Oh, la case de pommes. Il est où le tas de sable là? Ah, il est là. Au nord. On va deux maps en haut. Oui, les cactères. Ils sont rigolos, je les aime bien. Ça ressemble à quoi? Bah, des cactus. Oh. C'est une référence à Star Wars, ces créatures. Un petit peu. Mais de toute façon, toute la partie avec les cactères, tu verras que c'est beaucoup du Star Wars. Ensuite, et alors, au-dessus, encore plus. 19-62. 19-62. Avec le Boba Fett. Niveau 120 la zone. Ouais. Et ils sont un peu vénères les cactus, hein. Surtout qu'il y en a une qui renvoie tous les dégâts. Miam. Ah, super. On n'a pas pu valider. Mais il a cliqué sur je ne sais quoi et il a lancé un combat. Il est contre Louis Malandrin là. Ouais. Non. Pourquoi il me propose rien moi? Bah, moi non plus. Je sais pas. Il me l'avait proposé mais. Ah, moi il m'a juste dit s'en aller. T'as cliqué sur le tas de sable? Avant oui. Quel tas de sable? Derrière le groupe de monstres, il y a un tas de sable. Oh putain, je l'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Bien joué. Oh ben... Il est chaud ou pas le combat? Il va me tuer. Hein. Il a 3000 PV. Mais pourquoi tu nous as pas attendu? Bah je savais pas que ça lançait un combat. Bah faut lire. Ça quand même. C'est pas grave, on le refera avec toi quand tu reviendras. Ouf. Ah, il fait vraiment mal. Bon, c'est quoi ces faiblesses? Tout. Un roublard? Oui. Oui. Mais je crois qu'il joue pas comme tel. Non, il a que deux sorts. Au revoir, il... Ouais. Bon, bah, je lui aurais enlevé la moitié de sa vie. C'est pas mal, déjà, ouais. Bah, reviens sur la map et on va le faire ensemble. Ouais. On va finir le nôtre et. On va le refaire tranquille. Ah, si, il joue comme tel. Genre, chevrotine et. Enfin, du moins, ça me dit quelque chose. J'ai pas fait roublard haut niveau. J'en avais fait au niveau 60 ou 80, je sais plus. Mais j'avais lu tous les sorts. On ne tacle même pas. Ça me l'a pas actualisé, moi. Moi, 4 mises à jour, filouterie épicée. Parler de la fausse épice. Ah, ça te l'a pas fait. Putain. Eh ben, va falloir le faire 4 fois, c'est pas grave. Bah non, moi, ça me l'a validé. Ah bon? Ramener à Fortininer un renifleur, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Oui, moi, ça me l'a validé. Ok, bon. The fuck. Bon, bah, je pense, oui, qu'à un moment donné, il va falloir dire attention, la quête lance un combat, faites non avant qu'on lance. Comme ça, au moins, tout le monde aura le truc.
tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Que faites-vous ? C'est vieux, ça. Un inconnu vous offre des fleurs. Ah, mais quelque il m'a enlevé un PA. Salaud ! C'est pas grave. J'en manquerai au deuxième tour. J'aimerais voir, voir le châle. S'en fout. Eh, pourquoi moi ? Putain ! Il peut faire des attaques de zone dans votre tas ? Non. Il vient me voir. Quel enfoiré. C'est ton charisme. Ah, c'est parce qu'il est jaune, c'est ça ? Il est jaune, vert, immonde. Appuie. Bébé. Appuie. Si tu me tues. Merci. T'as eu peur, hein ? Bah, en vrai, je commence à avoir l'habitude que tu nous les foutes dans la gueule, donc bon. Allez, toi là. Toi là, Wakba ! Non. Non, non. Genre, non, pas du tout, non. Quelle mise à jour. Ah, tant mieux. Et bon, ah. On peut retourner voir 49ers qui est en 14-56. Nananana. Ok. Au final, je vais pas l'appeler Mycorn le volcan, je vais l'appeler la mobilette. T'as qu'à l'appeler Joe. Ginette la mobilette. Le taxi. C'est quoi ça, ce grincement là ? Qui a fait ça ? Grincement. Oui, il y avait un truc qui crinçait là, qui faisait cric cric cric. C'est pas moi. Putain, horrible. Cric cric cric. Oui, bah écoute, merde. Ok. C'est un bruit de chaînette, on dirait. Ah, y'a pas que moi qui l'ai entendu, on est d'accord. Non, non, je l'ai entendu aussi. Bon. Allez, on retourne voir OVH dans le sabloon. Qui est terminé. Yes. Alors, qu'as-tu ? On ouvre les quêtes. Ali Baba au Rhum et les 4 autres voleurs. C'est très drôle. Elle est bien celle-là en plus. La quête se lance au Sabloon auprès de Bill Kid. Bill Kid, pardon. Bah, je pense que tout le monde a tout lancé donc. Est-ce que tout le monde a lancé la quête ? Eh, hey, Jacques Vazon vient de passer niveau 94, bien joué. Ouais, tu peux porter, équiper une nouvelle pelle, Jake. D'accord. Mais moi, c'est quand je change de. Tu cherchais où a pu passer jamais. Au niveau 100, au niveau 100. Ah, nice. J'aurais un PA. Bill Kid. Est-ce que tout le monde a lancé la quête à Libéra au Rhum ? Jeanne Calamité. Allô ? Oui. Allô ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Donc oui, apparemment, tout le monde l'a lancé. Oui. Donc, faut parler à... Alors, attends. Je l'ai pas mis dans mes rangs. Mani, le tout. Chercher où a pu passer Alibaba, c'est ça. Mais donc il est pas dehors. Sort, ouais, voilà. On sort du tabloon et vous parlez à Choupa Choups. Qui est ? Ah oui, là. La petite fille en bas. La suquette. Hé, ma vigueuse. Il lui a volé. On va en 16-57. Juste à droite. À droite. On part là. Ça doit être. PPNJ. 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 Aucun respect, les jeunes de nos jours. Arrière, 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 oui, arrière, arrière. Arrière, grand-tante. On peut faire le jeu avec les fers à cheval, non. À chaud.
Non, fer à cheval, des fer à cheval. Non, des fer à cheval. Ouais. Ça restera toujours des fer à cheval, même s'il y en a plusieurs. Ouais. Ensuite, il faut aller en 16-59. Et attention, il y aura un combat. Je préfère prévenir. Je sais pas si on peut le faire à plusieurs, celui-là, si. Un combat se lance, il peut se faire à plusieurs, okay. Mais il a que 1000 PV, donc... On peut le faire ensemble, ça prendra moins de temps. Putain, bon, Jake l'a lancé. J'ai même pas à valider, je sais même pas si ça va me le prendre, enfin... Ça devient pénible. Hein. Ah, super. Ah. Oh, génial. Génial. J'aurais bien aimé reprendre ma vie avant. Je crois que j'ai tout mis. Stop par là. C'est juste qu'il t'a mis 300. Hein. Ah, il était pas là. Je m'en doutais fortement. Bon, il est un peu plus loin. Là. T'es sûr qu'il est vraiment là? Bah, test. Oui, je vais le faire, merci. Ça va, il est continué? Il est pas là. Parce que 1000 de boucliers, putain. Ah, oh, mais il doit être super loin. Est-ce qu'il est par là? T'as pas? Est-ce qu'il est par là? Ah, tu vois, oui, il est par là. Il est à deux cases autour de. De là. Devant toi. Ouais. Donc il est dans cette zone. Démerdez-vous. Non. Peut-être qu'il va réapparaître. Ah non, il reste 3 tours invisibles. Ah oui, quand même. Oui, c'est un peu beaucoup. Apparemment, il est encore à corps de. Oui, il est autour de Jake. Ouais. Putain. Ok. Bah, cabriole, hein. Ah bah là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Essaye à côté de toi, à gauche. Jake, va ici. Non, il est pas là. Putain. Mais il a dû se casser. Je sais pas. Peut-être par là. Hein. Non. Non, sinon la cabriole. Je sais pas. Non. Moi, j'ai testé de mon côté là-bas. Ah, il est là, devant moi. Merde. Il est ici. Meurs. J'ai dit. Allez, on doit le rechercher. Ouais, il est autour de Jake. Pour l'instant. Ah, apparemment, il est vraiment à côté. Oui. Ouais, c'est ça. Bravo, tu l'as taclé. Il a pas pu aller bien loin. Bravo. C'était facile. C'est pas à jour. C'est pas à jour. Ah ouais, mais c'est défier où s'en aller, donc bon. Oui, faut qu'on voit chacun. Mais je rends pas à la quête, alors je reste pour combattre avec vous. Si tu veux, tu peux faire ça. Je vais te tenter de mon côté. Moi. Bah oui. Évidemment, salaud. Quoi? Il a plus de il a que 2 PM. Donc il est pas censé être bien loin. De là où il a disparu. Une zone, please. Bah. Vers là. Par là. Donc avance tout droit et fais perception. Genre encore. Il encore. Est là, il est devant moi. Il est ah pile bon devant moi. Ah cool. Ouais. Nice. Ah ben, est-ce que tu peux te décaler sur la droite? Je vais le faire.
La attends, droite, mais t'as en haut. En haut et après à droite. Genre entoure-le. Ah, bon, c'est pas bon. Ah, bon, bah il est là. Oui, il est là. Impec, premier tour, on le trouve. Il va ramasser. C'est bizarre, le chiffre apparaît à côté, quoi. J'essaie de le tacler. Mais je sais pas si ça marche pas, le tacle, quand même. Je voulais qu'on l'entoure, en fait. Comme ça, il aura pas pu bouger. Là, il va bouger. Ah, bah non, en fait. Il s'est taclé tout seul, cet abruti. Il est à côté de toi, Guillaume. Il est entre nous, normalement. Ok. Essaye de bouger. Essaye de bouger, quand même. Non, non. Okay. Il était vraiment là. Impec. Une fois de plus, c'est grâce à la coiffe que j'ai gagné le combat. Voilà. Elle est contente. Elle a l'air. Ah mais oui, je suis con. Je vais dire, mais comment ça se fait que toi? Bref. J'arrive, hein. Pas de soucis. Là, par contre, il va s'échapper un peu loin, je pense. 1, 2, 3, 4... Non, encore le cache. Ah non, il a marché 4. Ouais. Il sera deux cases autour de sa position. Ouais. Donc pas si loin. Ah ben, il est juste devant moi. Vas-y, on l'entoure. Il bougera plus. Donc Guillaume, après, faudra que tu te mettes là. Ok. Comme ça, au moins, on va l'empêcher de bouger. Voilà. On va l'entourer, salaud. Meurs. Oh là là. Oh, mais les dégâts qui collent, mais c'est pas normal. Tu l'entends souffrir en silence. T'as équipé ta nouvelle pelle, Jake? Oui. Ah ouais, mais il fait des dégâts monstrueux, c'est incroyable. Enfin, à notre niveau, c'est monstrueux. Au niveau de sens, ça sent. Le pauvre, il est en PLS entouré, là, genre... Il est toujours devant ? Oui, oui. Oui. Boum, 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 boum. Eh ben... C'est bon ? Je vais voir Alibaba Orum. Ramener à PPNJ une pelle volée et la suquette. Ok. Donc on descend de deux cases. On parle à PPNJ pour lui rendre sa pelle. Et après, on va à gauche pour rendre la sucette à la... Ah, je sais pas, je sais pas. La sucette. Ouais, mais c'est dégueulasse. Attends, on lui donne une sucette que l'autre a touchée, quoi. Et exactement, et c'est ce qu'elle dit. Merci, monsieur, mais Burke, elle a un goût bizarre, maintenant. C'est sûrement son... On se demande où est-ce qu'il a mise, hein. Dans sa bouche. Ouais. Ça bouge. Wesh. Horrible. On fait quelqu'un. C'est complètement alors, taré. Hein. On va faire la quête chargement déserté. Ok. Est-ce que vous l'avez lancé? Chargement déserté. Boum. Défendre la caisse de pommes. Ah, sauvegarde du serveur. Ah, attends, c'est où? Alors, pourquoi je suis sorti? J'ai la moitié qui tape et on est en bug total, putain. Prendre la caisse de pommes contre la faune du désert. Ouais. Donc là, faut pas sortir le salon, faut attendre. Si, c'est bon, tu peux sortir. Il y a des mecs qui se trimballent avec des bousiers. Oui, c'est la vie de recherche niveau 200. Ça a l'air cool. Ah, c'est le scarabée, non? Ça a fait la guetti de la map. Ouais. C'est très rigolo. Bon, attention, il va y avoir un combat. 14 moins 60. Okay, mais on prend en profit, il est 4 heures, on se lève du fauteuil, on fait quelques étirements, et 1, et 2, et 1, et 2, et voilà. J'ai mon appli, elle me demande de faire des étirements, c'est chelou. Non mais genre, vraiment, t'as des étirements, je les comprends pas.
Ok. Genre, on dirait que t'es dans une chorégraphie de. Comment il s'appelle ? De danse avec les stars. Non, l'autre là, Kamel Wally. De danse avec les tsars. Non, putain. De Just Dance. Ça, c'est Moscou. De Just Dance avec les stars. Moscou, Moscou. Bon, la case de pomme, on l'examine. Ah, merde. Allez. C'est un combat ? Non, oui, attends. Y a un combat. Ouais, il y a écrit se défendre. Merde. Oh, l'enfoiré, Draken, il a fait le Mantisquare en duo. Il a encore dû se faire PL. Bah, ouais, comme d'hab. Bon, on clique sur la case de pomme. Ben, moi, je suis à se défendre, donc. Saisir la caisse, se défendre. Ouais. Ah, ben, c'était un combat sur l'eau. Alors... Elle joue avec une caisse ? Oui, et il faut pas qu'elle meure. À combien ? Niveau 80 ? On peut lui appliquer... Et est-ce que le chat est mort ou vivant dedans ? J'ai tout fait tout seul avec mon chevalier d'Astrub. T'es sérieux ? Eh, GG, Draken. Mais t'es niveau combien ? Attends. 3000. Social. Qui c'est qui a bougé la caisse ? Ben... C'est moi. Putain, il est niveau 97, il a fait le Mantiscore solo. GG. Comment t'as fait ? C'est toi qui as lancé le combat ? Oh, putain. Non, tu fais clic droit et en fait tu cliques sur la caisse et il y a écrit changer les positions. Okay. Option de combat. Mais non, mais quoi putain, c'est incroyable. Mais non, c'est un clic gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? 250 000 euros ou un plumeau ? Nous le verrons bien. Non, il y a des pommes, c'est écrit. Qu'est-ce que c'est pommes, de pommes. Mais oui, mes petites beautés. Non. T'inquiète pas sur. T'inquiète pas, dimanche avec Afflip par la caisse du chat de Grofin de Schrödinger. Oui. Ah. Et il y aura surtout Chablis. Oui. Où est Charblis? Toujours moins que moi. Oh, flûte. Eh bien, voilà. Oh, t'as l'air. Il n'y a pas de challenge. Non, c'est un combat de quête. Est-ce qu'on peut me rappeler c'est quoi la zone carrée jaune un peu fluo là où? Un glyphe. D'accord. Là en fait dans ce glyphe là, si je me rappelle bien, les scorpions sont invisibles dans cette zone. Soyons honnêtes, c'est pas très dur à trouver. Enfin je crois que c'est ça. Il y avait un scorpion qui s'est rendu invisible. Ah mais je sais pourquoi on en avait chié sur le Mantiscore, on avait essayé de faire main propre. Et Oui, et les... Un autre. Les idoles. Et les idoles. Mmh. Avec les idoles, ouais. Que les chats faire, ils faisaient n'importe quoi. Oui. Ces salopards, ils faisaient n'importe quoi. On avait fait main propre plus idole. Ouais, putain. Le score de sang. Il est décédé. Bah, il est toujours invisible. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Ouais, je cherchais. Non, mais s'il fait, s'il est invisible et qu'il nous contourne pour aller casser la caisse ? Mais non, t'inquiète. Il va d'abord nous viser, nous. On est plus près. On sait jamais, il est peut-être intelligent. Non. L'IA du jeu, elle est un peu con-con. C'est d'abord, ils... Généralement, ils essayent de toucher le mec le plus près ou celui qui a le moins de vie. Généralement. Mais non, t'inquiète pas. Allez, casser la caquesse. Pose un glyphe. Rend le scorpion bleu invisible lorsqu'il se trouve à l'intérieur. Ah, tu vois. Ah, j'ai un petit sablier là. Moi. Ah, vite. Mais j'espère que j'ai glyphe, pas craché. Le glyphe retire des PM et de la vitalité. Je vois ta souris bouger.
Je vois qu'il faut terminer le tour. Mais non, mais bah, c'est la sauvegarde du serveur. C'est la sauvegarde du serveur, t'inquiète pas. Ouais, mais bon. C'est long. Allez. Allez, Joe Will. Ah, bah c'est parti, ça y est. Nice. Oh, j'ai visé à côté. Oh, le teubé. Bon, tant pis. Oh, ben voilà, fais une croix. Et je touche ton truc. Mais c'est pas grave. J'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Mais toi, tu fais... T'es le premier à nous foutre tes griffes dans la gueule, quoi. Ouais, mais des animaux, c'est pas pareil. Oh non, je pète, non. Je suis désolé, je suis bien plus touché par la maltraitance animale que par les humains, excusez-moi. Bravo. Non. Mais tu sais pas ce qu'il y a derrière le masque. S'il faut, c'est un animal. Est-ce que si je le mets dans le glyphe, il perd des trucs, lui? Je crois pas. Je crois pas. Dommage. Regarde, tu vois, le scorpion, il est là. Il s'appelle comment? Cordon. Cordon bleu. Parce que c'est un cordon bleu. Hein? Ah! C'est... Tu viens de comprendre ou... Non. Non, j'ai toujours pas compris. Un cordon bleu. Ah, ah. Non, non, moi c'était par rapport aux dégâts. En fait, je pensais qu'il avait une apparence de cordon bleu, mais non. Ben non, c'est juste pour le nom. C'est un scorpion, cordon bleu. C'était nul. Ouais, mais ça, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait le jeu. Allez-vous plaindre en Kama, s'il vous plaît. Ouais. D'ailleurs, en Kama, vous avez pas répondu hein, pour le sponsor. Entre nous, je crois qu'ils en ont rien à foutre. Il y a tellement de gens sur le jeu, et en plus, là, ils ont dû se faire mastune avec tous les abonnements de du confinement, que je pense qu'ils en foutent royalement. Ouais. Eux, ils ont gagné de l'argent alors que les gens étaient en chômage partiel. Bravo! C'est moche de dire que je suis en chômage partiel et que je mets beaucoup d'argent de côté en ce moment. Non, bah c'est ce que disaient plusieurs études, c'est que les Français dépensent moins et du coup, bah, certains, et même pour des personnes modestes, arrivent à mettre un peu de côté malgré tout. Ouais. Donc moins de consommation, donc moins de pollution, donc cool, plus d'économie. Ça a compté pour tout le monde. Ah, ouais. On peut aller voir une pomme d'api. Pomme d'api. Elle est où? Saloon. Il est au-dessus, non? Il est au-dessus du bateau. Non, c'est bon. Ah oui, bateau. Ah ben j'ai un repère dessus. Bateau. Ah, il a un repère dessus. On peut passer directement en dessous. Il est fermé, niveau 94, bravo. Ouais. On peut pas. Et une nouvelle démo de Ninjala sur Switch. Génial! Ouais! Vite, on va y jouer de suite! Ouais! Non, j'ai menti! Oh! Allez, donnez la marchandise perdue. Ouais, quête terminée! Alors, on va en mettre une autre. Alors, quête suivante. Sans chair et en os. Retrouver un fémur dans une botte d'ossements. Ah bon, ben sans chair et en os. Sans chair et en os. Pourquoi sans chair et en os? Ben c'est pas ça le fémur. Tu viens de parler de fémur? Non, c'est la quête qui s'appelle comme ça. Retrouver un fémur dans une botte d'ossements. Ah ben je l'ai pas moi. Moi non plus je l'ai pas. Alors la quête se lance. Ah ouais, mais c'est au bar de la Picantina. Et oui, c'est tout en haut. Moi je l'ai sans chair et en os. Oui, on l'a tous normalement, bon. Mais là il parle d'une autre quête. Faut vraiment qu'on aille à la Picantina? Non, on ira plus tard. Ok. Bon. Bon, on fait sans chair et en os. Sans chair et en os. Bah faut juste aller chercher 3 os. Ouais, mais la quête elle demande de faire le donjon donc on pourra pas la finir. Bah c'est pas grave, on peut préparer le donjon. Faire le Far West?
les bizarreries du Far West. Ah, on peut faire le phare, oui. On fait le phare ? Allez. Allez, ok. Ben, tu l'as, les bizarreries du Far West ? 15, oui, oui. 56. Ah ben, c'est parti, on va au phare. Est. Découvrir la carte. Et on va découvrir des gens rigolos. Il rigole déjà, quoi. Oui. Parce que ça m'avait fait rire. Ah, il y a Erd aussi à lancer. Attends, y a elle lit pas là. Ah oui, cliquez sur Erd. Ah non, ça fait rien. Allez, on s'en va. En savoir plus sur le vaisseau. Ouais, mais ça servira plus tard. Ah, mais c'est R2-D2. Oui. Alors, faut cliquer sur la porte. Clique sur la porte. Attends, il en manque un. Bon, en fait, je suis déjà avancé sur la quête. Ouais. Ah bon ? Bon, ben, je ramasse une pierre. Et... enfoncer la porte, sauf que ça fonctionne pas, coffre. Faut ouvrir le coffre. Empiler... c'est où déjà qu'il faut empiler ? Empiler les blocs de pierre, c'est... merde, c'est pas là, je crois, non ? Mais si, c'est là, mais... ah, c'est là devant. Non, là, c'est à droite. On met là, on reclique. Ok, c'est bon. Et on est dedans. Tout le monde est rentré dans le phare, oui ? La charge. Ben non, Guillaume, il est pas là. Il a dit qu'il s'était déjà avancé dans la quête, mais à quel point ? Oui, mais on est où ? C'est quoi ton... attends, je lis, quête mise à jour. Reprendre les recherches, donc moi je suis déjà... ouais, voilà, c'est... non. Ah, oui. Donc on a les bouteilles, je parle à la silhouette. On clique sur la botte de truc. Interroger les habitants de... oh putain. Bah je vous attends, je pense que je vais avoir un combat là. Interroger les habitants. Alors, pas, mais... allez voir Shadoutmen en 16-57. Ok. Mon char à vol. T'en es où, Jake, dans la quête ? Il faut que je batte l'ectoplasme de tonnerre de braise dans un combat, mais je pense qu'il faut que je... il s'effectue seul, il a 1200 PV. Ah ben courage, tu peux lancer. Eh, j'ai croisé Draken, coucou. Je passais très vite par contre. Merde, c'était en dessous. Mais c'est pas en 16-57 ? Si, il faut parler à Shadowman. Ah. Oh, Ali redemande une quête. D'accord. Puis après, il faut aller au Sabloon, parler au gamin. C'est bon, je l'ai déjà lu, moi, tout ça. Allez, au revoir. Il y a Alibaba qui a une quête encore ? Ouais, tu peux la lancer, parler à OVH et puis on part. Ça lancera un truc plus tard. Oh non. Chut. T'as fini ton combat ? Alors tu dis rien. Ah mais on va le voir. Bah non. Il les a en personnage suiveur. Ah merde. Cours vite. C'est bon, il court. Allez, l'ectoplasme de tonnerre de Braise. Blitzkrieg. Mais il fait trop mal. Non. Ah ben moi il m'a enlevé du 300. Courez, fuyez pour vos fous. Ah il me calme, ouais, un petit peu. Pardon. Putain.
putain, il joue avant moi. C'est bon. Ah, c'est drôle. Putain, il enchaîne les coups critiques, what the fuck. Après, sois content, Guillaume, on les envoie en prison. Ouais, mais je vais vérifier s'ils y étaient vraiment, ils y sont pas. Ils se sont enfuis. Je suis déçu. Des fois, il y a des blagues pas drôles qui méritent de rester en prison. Ok. Dit-il. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu nous as pas fait de blagues. Je suis très déçu. J'ai même terminé le challenge. Dîner. C'est dîner, Chirlo. Je suis déçu de ce manque de. Ouais. Je suis. Ouais. Mm-hmm. Déçu par toi, Thomas. Vraiment. Heureusement, heureusement qu'ils étaient pas en haut du phare.